Jusqu'à maintenant, dans tous les calculs de volume qu'on a, qu a, qu a fait dans les vidéos précédentes, dans tous les cas d'intégrale double qu'on a vu, eh bien, on, on faisait une double intégration sur, euh, avec des bornes qui étaient fixes. Hein. Donc en fait, on considérait comme domaine de définition un rectangle, hein, tout simplement. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est voir ce qui se passe, euh, comment est-ce qu'on peut calculer un volume, donc faire une double intégrale sur des domaines un peu plus compliqués que ça, et donc avec des, des bornes qui sont euh, variables. Alors là, en fait, je vais... Reprendre la même surface que dans, les, dans la vidéo précédente, donc c'était la, la surface d'équation z égale x y au carré, x y carré. Bon, le but ici, ce ne sera pas du tout de, de regarder comment on calcule euh, ce volume, mais ça va être plutôt d'essayer de, de visualiser les choses, et notamment de visualiser le domaine duquel on part. Hein, parce que c'est ça, souvent, souvent, la complexité, c'est pas tant de, de visualiser le volume lui-même, mais plutôt euh, de visualiser quelle est la, la surface, le domaine dont on part, euh, le domaine d'intégration. Voilà. Alors, je vais commencer par dessiner euh, des axes. Hein. Je ne vais pas dessiner du tout la, la surface telle qu'elle est. Hein, je vais faire quelque chose de plus simple. L'idée, ce n'est pas de devoir calculer le volume, mais de comprendre comment est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, là j'ai mes, mes trois axes. Donc ça c'est l'axe x. Là j'ai l'origine du repère. Là c'est l'axe vertical, l'axe des z. Et puis là l'axe des y. Alors donc, je vais commencer par dessiner un, un domaine duquel on va partir. Donc je vais prendre par exemple x qui va varier entre, entre 0 et cette valeur-là, 1. Voilà. Donc je vais pouvoir faire une droite comme ça. Voilà. Et puis là, en fait, au lieu de prendre un domaine carré ou rectangulaire, donc euh, une valeur de y va euh, fixe, je vais prendre une, va une valeur de, de y qui va varier en fonction de x. Hein. Donc, en fait, tout va se passer dans le plan horizontal ici, dans le plan euh, d'altitude nulle, et je vais tracer ici une courbe, en fait. Ça va être une courbe dans ce plan. Donc, voilà, je la trace comme ça. Et bon, cette courbe, elle a une équation. On va dire ici que cette courbe-là, c'est un bout de parabole. Hein. C'est la courbe d'équation y égale x au carré quand on est dans le plan d'altitude euh, nulle, le plan, nulle, de plan horizontal d'altitude nulle, hein, dans le plan xy ici. Alors, je, peux, je vais colorier un petit peu ce, ce domaine de définition. Voilà. Et donc maintenant, je vais essayer de calculer. Donc, je vais tracer... Cette surface- là enfin je ne vais pas tracer effectivement cette surface- là mais je vais tracer une surface et puis on saura qu'en fait c'est celle-là mais je ne vais, me... vais pas essayer de tracer effectivement cette surface. Donc je vais commencer par placer les images de ces trois points, ce point-ci, l'image de ce point-ci on va dire qu'elle est voilà elle est là. L'image de ce point-là on va dire qu'elle est là voilà. Et puis l'image de ce point-là on va dire qu'elle est ici. Donc maintenant je vais essayer de tracer alors c'est pas évident je vais essayer de tracer cette, euh, cette surface voilà alors ce qui va se passer c'est qu'ici on va avoir aussi un bout de parabole hein. ça va être quelque chose comme ça voilà donc là j'ai en fait j'ai tracé une surface mais c'est un petit peu faux ce que j'ai fait parce que là j'ai on dirait que c'est plat donc c'est pas c'est pas la surface ici n'est pas du tout nécessairement plate plate hein, ça serait euh, simple pour calculer ce volume là il suffirait de calculer la surface ici l'air enfin l'air de cette surface là et de multiplier par la hauteur donc ce serait un petit peu simple là on n'est pas du tout dans ce cas là on, on peut avoir quelque chose ici qui sera courbe hein. donc je vais essayer de le dessiner un peu mieux voilà donc ça peut être quelque chose qui va être comme ça voilà et puis même ça je suis pas obligé de le faire droit ce n'est pas forcément plat, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est la surface au-dessus. Sur on va dire que c'est cette surface-là, la portion de cette surface-là qui est située au-dessus de ce domaine. Alors je vais colorier un petit peu ça. Donc je peux avoir. Voilà, je vais essayer de faire ça joliment. Voilà. Alors maintenant je vais essayer de représenter ce volume. Donc j'ai d'abord. Je vais assurer là cette partie là hein. voilà comme ça ça c'est plus un travail artistique hein, plutôt que plus plutôt un exercice de dessin qu'un qu exercice de maths donc là je peux voilà je vais essayer de colorier ça comme ça d'une autre couleur donc ça c'est ce qui est derrière en fait c'est voilà c'est on a un espèce comme un mur ici qui est parabolique hein, section parabolique bon, voilà j'espère que tu arrives à visualiser ça alors je peux peut-être clarifier un petit peu ça en disant voilà on va Calculer maintenant, on va essayer de calculer ce volume-là. Je fais comme ça. Et puis, bon, il y a ce, ce mur parabolique qu'on ne voit pas, qui est, qui est cette face derrière, là. Et donc, la surface qui est en haut, ici, c'est la surface d'équation z égale xy. Carré. Voilà, c'est celle-là. Hein, celle Alors, pour faire ça, on va utiliser la même méthode. On, intuitivement, on va procéder exactement de la même manière que ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'on va commencer par prendre un petit élément de surface ici à l'intérieur, dans, dans le domaine de définition. Donc je vais prendre un petit rectangle, un petit rectangle comme ça. Voilà. Et ce rectangle, il va avoir pour dimension. Alors cette, cette dimension-là, ici, c'est une variation dx, donc c'est... Je vais la noter dx. Et puis cette, cette dimension-là, c'est, je vais la noter dy, c'est une petite variation selon l'axe Y, une hein, petite variation de la coordonnée Y. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est, comme d'habitude, on va d'abord calculer euh, le volume qui est euh, situé au-dessus de cette petite surface ici, et en dessous de la, euh, de la surface d'équation Z égale XY carré. Donc, en fait, alors, je, vais déjà calculer, je vais déjà calculer le volume de, ce, de cette colonne, hein, ici, qui est là. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose comme ça. Et ça, c'est le haut de, de ma colonne, qui est parallépipédique. Hein. Donc là, j'ai derrière le, la quatrième arête. Voilà. Et donc, pour calculer, donc ça, c'est cette hauteur-là, hein, la hauteur qui est ici. Ça, c'est f de x, y. F de x, y. On peut supposer que là, on part d'un point de coordonnées x, y. Donc là, c'est l'image sur, sur la surface en haut, c'est l'image de ce point, donc c'est f de x y. Et puis là, on a euh, augmenté la coordonnée y de dy et puis augmenté la coordonnée de, de x de DY, de dx pardon. Alors voilà. Là, l'idée c'est exactement la même que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On va calculer le volume de, cette, de ce parallélépipède qui est ici. Donc ça, je peux le calculer. Hein, c'est f de x y. Ça, c'est la hauteur fois la base. Donc la base, c'est dx fois dy. Hein. C'est mon petit élément de surface qui est là, qui a, qui a, pour, qui a pour r dx fois dy. Voilà. Donc ça, c'est le volume de cette colonne qui est là. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'additionne toutes les colonnes. Voilà. Et c'est ça qui va être le plus compliqué, en fait. Parce que autant dans les vidéos précédentes, on avait pu euh, d'abord additionner euh, le, le long des x, par exemple, donc faire une intégration selon x. Et puis ensuite, on obtenait des, du coup des lamelles, des lamelles hein, d'une très fine épaisseur, qu'on additionnait ensuite, qu'on intégrait ensuite selon l'axe Y. Hein, voilà, en intégrant selon Y. Alors ici c'est un peu plus compliqué parce que les bornes ne sont pas fixes et donc la difficulté principale ça va être d'arriver à visualiser, d'arriver à comprendre quelles sont les bornes de mon, de mon domaine de définition. Alors pour faire ça en fait le, le, vraiment le, le truc le plus utile c'est euh, d'aller dessiner cette, ce plan là, hein, d'aller dessiner ce plan là, donc je vais le faire ici. Alors je vais commencer par tracer un repère, donc là l'axe des ordonnées y et l'axe des abscisses x. Voilà. Donc ça, c'est l'origine. Là, je vais mettre les ordonnées y, et là, les abscisses x. Alors, je vais pouvoir déjà dire que x varie entre 0 et 1. Donc, je vais placer 1 ici. Et puis, y, ben, y, alors, là, il faut que, oui, il faut que je, quand même que je dise quelle est cette valeur qui est là. Ça, c'est pour x égale 1, ben, y est égal à 1 au carré, donc y est égal à 1. Donc, cette valeur-là, c'est 1. Donc la valeur maximale de y, c'est 1. Je vais prolonger un petit peu le dessin là pour que ce soit plus, plus, plus lisible. Alors ça, voilà, je vais le faire un peu plus grand. Voilà. Alors maintenant, je vais placer la valeur 1. Donc 1, ça sera ici. Voilà. Et donc je sais que euh, cette, je peux déjà représenter cette borne-là, euh, cette, borne hein, cette, cette frontière-là de mon domaine. C'est un segment de droite, comme ça. Voilà. Et puis par contre, il faut maintenant que je. Bon, j'ai aussi cette autre borne ici, hein, cette autre frontière là, qui est ce segment là, hein, celui là. Et puis, il faut que je dessine maintenant cette, euh, cette, cette frontière ici, qui est en fait est un, un bout de parabole, un morceau de parabole. Alors là, tout se passe dans le premier cadran, donc ça simplifie un peu les choses. Donc ce bout de parabole, c'est la parabole d'équation y égale x au carré. Donc là, je vais dessiner une parabole. Voilà, bon, du mieux que je peux. Hein. Et là, j'ai cette valeur y égale 1. Voilà. Alors maintenant, là-dedans, ben, ce que j'ai, c'est un petit élément de surface, ici. C'est ds, hein. c'est celui, celui qui est là. Donc cette dimension-là, c'est dx. Et cette dimension-là, c'est dy. Voilà alors, ce que je dois faire, en fait, c'est additionner toutes les colonnes euh, dans le domaine. Hein. alors, évidemment, on peut faire, on peut garder la même idée, c'est-à-dire de faire ça dans un, dans un ordre précis, en commençant, par exemple, par additionner ces, ces colonnes selon l'axe x. Hein. donc, en fait, on serait amené à, à, à faire comme ça, additionner tout ça, tous les carrés qui sont là. voilà. Donc je me retrouve avec une somme de ces... En, en, quand je regarde juste ce qui se passe dans le plan XY, je me retrouve avec une somme de ces carrés, hein, de ces éléments de, de surface. Et euh, la, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est cette borne Comment est-ce que je peux déterminer cette borne-là hein Voilà. Alors c'est ça, ça toute la complexité. Et en fait, bah, si tu arrives à visualiser ce qui se passe dans le plan XY, euh, tu auras fait une grosse partie du travail. Hein. Alors là... En, pour répondre à la question qu'on se pose, donc pour essayer de déterminer cette borne-là, ben ce qu'il faut voir c'est qu'on en fait on additionne tous ces rectangles et on bute sur la courbe. Hein. Donc ici on a fixé une valeur de y qui est là. ça c'est une valeur précise de y. Et donc si je veux déterminer la borne le long de l'axe x, hein, puisque là ce que je fais c'est une somme de ces petits carrés le long de l'axe x, donc je dois déterminer en fait la, la borne, dans l'axe x, qui est ici. C'est cette valeur-là. Et donc, en fait, ce qu'on doit chercher, c'est l'antécédent de ce y par la fonction y égale x au carré. Hein. Alors là, comme on est dans, dans le premier cadran, il n'y a que des valeurs positives. Donc ici, ce qu'on sait, c'est que cette valeur-là, c'est racine de y. Voilà, si on prend y, son antécédent, c'est racine de y. Alors là, ça y est, on a déterminé, en fait, la borne d'intégration hein, selon, selon x. Donc, quand je vais... Calculer, euh, je vais faire ma somme de ces carrés ici. En fait, donc je vais additionner tous ces éléments de volume-là selon l'axe x. Alors ça va me donner une intégrale de f de x, y, dx. Voilà, et puis je vais changer de couleur pour la deuxième variable d'intégration qui est y. Ça, je, le, je verrai après ce que ça veut dire. Là, je vais, il faut que je détermine les bornes dans, entre lesquelles je vais intégrer. Hein. donc C'est ce que je viens de déterminer. donc Je sais que la borne supérieure, bah, c'est x égale 1. x égale 1, c'est celle-ci. Et la borne inférieure, c'est elle elle est une fonction de y. Donc c'est x égale racine de y. voilà Quand je fais l'intégrale pour x qui va de racine de y à 1, à x égale 1, de cette fonction-là, f de x, y, dx, et eh bien en fait je vais obtenir la lamelle que je vais dessiner ici en bleu, c'est cette lamelle-là. Voilà. C'est cette lamelle-là. Enfin, disons la section par le plan vertical qui passe par cette droite-là. Hein. Et puis ensuite je vais les épaissir avec un dy. C'est ce que j'ai fait là, hein, avec ce dy qui est là. Donc en fait, j'obtiens cette lamelle épaissie hein, qui est là. Voilà, donc en fait, cette expression-là hein, que j'ai écrite ici, c'est le volume compris au-dessus, euh, sous la courbe, au-dessus de ce rectangle qui est là, hein, de cette partie-là. Voilà. Alors maintenant je vais continuer et je vais maintenant intégrer selon, de, selon, euh, dans la direction de Y, hein, selon Y. Donc je vais additionner en fait. Toutes ces, toutes ces lamelles que dont j'ai calculé le volume. Alors là, pour faire ça, bah, il faut que j'aille... Je vais de, de cette valeur-là de y qui est 0. Y est égal à 0. Jusqu'à cette valeur-là de y qui est égal à 1. Voilà. Donc finalement, je vais intégrer... Alors je vais garder le orange. Je vais intégrer ça pour y qui va de 0 jusqu'à 1. Alors bon, là, on peut... Aller un petit peu plus loin, simplement en remplaçant euh, f de x, y par son expression, et ça va me donner cette, euh, cette double intégrale-là. Alors l'intégrale pour y qui va de 0 jusqu'à 1, c'est une intégrale double. La deuxième intégrale, c'est pour x qui va de racine de y jusqu'à x égale 1. Et à l'intérieur, on a x, y carré fois dx y voilà ça c'est l'expression de ma double intégrale qui donne le volume de ce solide qui est là et dont le domaine n'est pas un rectangle en fait une borne du domaine est, est, est fonction de l'autre voilà bon on va s'arrêter là parce que la vidéo est un petit peu longue donc dans la prochaine vidéo on calculera effectivement cette intégrale là et puis ensuite on verra aussi ce qui se passe quand on euh, intègre d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à X, donc dans l'autre sens, comme on a déjà vu dans d'autres vidéos.